Et salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous parler d'une mise à jour qui est sortie aujourd'hui. Le Rider, rappelez-vous, elle est sortie l'année dernière, donc il y a à peu près 4 mois à peu près. C'était une mise à jour où on avait des nouveaux véhicules, des nouveaux vêtements et tout. Donc je sais pas si on a des nouveaux vêtements et des nouvelles armes. Donc ça, il faudra les voir. Donc je vais vous montrer les véhicules. Trois nouveaux véhicules qu'on a eu, ils sont vraiment stylés. Fallait chez Bunny pour les custom. Si ça bug un peu en fait, du coup comme mon PC vite fait en fait il filme plus et il marche plus, donc du coup je filme sur le gros PC mais ça bug un peu. Donc vous voyez les couvertures, c'est un peu moins cher, c'est les trois véhicules, il y a des étoiles, donc ils sont un peu moins chers que les autres. Donc je vais vous montrer, il y a ça là avant, qu'on peut l'avoir comme ça, et custom ça va donner ça. Ça va être vraiment stylé custom comme ça la voiture. Et on dit ça va coûter un peu cher à la customiser. Au début celle-là on l'avait déjà, rappelez-vous, dans une autre mise à jour, je sais plus c'était quoi. Et elle va ressembler à ça, custom. Ça va être vraiment assez fun. Et ici, je dis pas les noms de voitures parce que voilà, je suis pas vraiment fort en anglais. Et voilà, la première va être comme ça, un peu moche. Et stylé en mode custom. Moi celle-là me tente un peu, mais je sais pas combien elle va coûter si je la custom, si elle va être chère ou pas. Après faut voir, je sais pas si elle va être chère ou pas du tout. D'accord, par contre c'est pas d'accord, mais pourquoi on fait comment après l'acheter? Je sais pas, acheter pour 300. Comment on fait pour l'acheter après? C'est une bonne question, je sais pas comment on fait pour l'acheter. Par contre j'ai un souci. En principe, oui, ah oui, il faut choisir la couleur, bye. Je suis bête. Si je choisis pas la couleur, ça marchera pas. On va la foutre ici. Voilà. Je l'ai acheté, donc du coup, on verra bien. On valide direction l'armurerie pour voir du coup à quoi s'attendre, si on a eu des nouvelles armes ou pas. Ça va livrer ma voiture au garage. Et après, on ira à la custom pour voir si par exemple. Comment ça s'appelle, si ça coûte cher pour la custom ou pas à l'intérieur. Rappelez-vous, on avait deux voitures et c'était un peu cher pour les custom. Après moi j'ai utilisé des sous pour acheter cette voiture là pour des cours. What the fuck, on va faire un peu gaffe, il y a un mec ici, j'ai pas envie de me faire démonter. On va se garer là tranquille. Ok d'accord, le mec il est mort. What? Regardez le mec là-bas, il est mort un peu bizarrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment plaire à ces mises à jour. Donc voilà, on va aller là-dedans. J'espère qu'il nous il va pas nous tuer, voilà on aura fait. Tranquillement. Je sais pas si on a eu des nouvelles armes, parce qu'en bas à droite ça m'a dit qu'on a eu des nouvelles armes dans la armurerie. Donc de toute façon comme d'habitude on voit avec des étoiles. Ah oui. Il y a une nouvelle arme. Oh ça doit être pas mal celle-là. C'est une un fusil compact. Je sais pas c'est quoi. Oh ça fait mal par contre d'aller un peu cher. On peut bah, bien sûr la custom. Je vais vous montrer un peu les différences. Oh ça va vraiment pas mal. Par contre, elle doit faire mal. Elle doit vraiment faire mal. Attendez, je vais regarder un peu partout. Ça, c'est la bouteille. En façon, quand on a l'étoile, c'est bon. S'il y a l'étoile, c'est-à-dire c'est des nouvelles armes. Oh, là, elle doit faire mal, les amis. Après, j'espère vraiment. En façon, je vais faire en deux parties ce DLC. Là, je vous montre les armes et après, je vous montre en deuxième partie. Comment s'appelle les vêtements, parce que vous pouvez choisir une vidéo trop longue non plus. Donc là je vous ai montré les véhicules et tout, et là je vais vous montrer les armes. Oh putain, elle doit faire mal. On va se mettre du jus à l'intérieur. Donc ma voiture elle est arrivée, donc je vais vous montrer ça après, et on va aller tester l'arme pour voir à quoi ça à quoi elle va aller. Désolé si elle va faire mal ou pas. Ça a l'air un peu faire, ça a l'air faire mal. Voilà, après je sais pas. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Et bah du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. On va faire une petite coupure puis on va se retrouver s'il y a des nouveaux vêtements. S'il n'y a pas, bah je vous dis à vite. J'espère que ce DLC vous allez kiffer. Mais en tous les cas, même s'il n'y a pas de nouveaux, je veux montrer comment ça s'appelle. Des nouveaux la nouvelle voiture comme j'avais promis. Donc moi voilà, moi je vous dis à très vite, ciao bye bye, allez salut, peace.